bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc. Tic tac toc, tic galop, tic galop, tic péco sur le museau. Oh. Oh, bonjour, tu es là, mon petit amour. Blum, 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 blum. Un poisson bien caché dans son beau château, au fond de son bocal, m'a dit blum, blum, blum. Un ami à moi qui comprend les poissons m'a dit que blum, 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 blum. Ça veut dire, je me sens bien, je me sens bien. Oh là là, que je me sens bien. Bloup, bloup, bloup. Oh, je suis toute excitée aujourd'hui, mon bel amour. Je m'en vais faire de la plongée sous-marine avec mon amie Trombone. Oh, je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de plongée. Tiens, regarde, ça, c'est ma combinaison de plongée. Ça sert à se protéger du froid quand on est dans l'eau. De la visite. Entrez! Ah. Bonjour, Cornemuse! Bonjour, Cornemuse! Bonjour, mes beaux amours! Cornemuse, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... c'est un costume de poisson. Ah, un costume de poisson? Oh oui, une sorte de poisson. Est-ce que tu vois que tu es déguisé en poisson? Oh, non, 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 non! Est-ce que tu fais une pièce de théâtre, Cornemuse? Non, non! C'est pas un costume de poisson, c'est un costume de grenouille avec des pattes de grenouille. Des palmes de grenouille. Les canards aussi, ils ont des palmes, hein, Cornemuse? Oh oui, ça c'est bien vrai, mon Thibaut. Et ça c'est pour respirer en dessous de l'eau, hein, Cornemuse? Ah oui, ça c'est une bouteille remplie d'air. Mais pourquoi tu respires avec ça sous l'eau? Mais parce que nous, on ne peut pas respirer sous l'eau et se sentir bien comme les poissons. Un poisson bien caché dans son beau château, au fond de son bocal, m'a dit blum, blum, blum. Un ami à moi qui comprend les poissons m'a dit que blum, 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 blum. Ça veut dire... je me sens bien, je me sens bien. Oh là là, que je me sens bien. Bloup, bloup, bloup. Oh, et maintenant, mes beaux amis, je vais devoir vous mettre à la porte. Sinon, je vais être en retard pour aller faire de la plongée sous-marine avec mon amie Trombone. Oh, allez, non. Dehors, mes petits poissons. Dehors, poisson qui va. Dehors, poisson babou. À bientôt. Aller dans l'eau. On met comme un tuyau, l'on respire, que ça fait des bulles. Regarde les ballons sortent. Regarde les ballons sortent sur le côté de ta joue. Regarde, c'est le fun. Oui. Ah, c'est le fun, hein? Il y a de l'air qui sort, il s'en va vers notre bouche, là. Ça, là, ça sert à respirer. On fait quoi avec les palmes? On va vite. On nage vite. On nage vite avec les palmes. Mets ta palme, mets ta palme. Prends-moi la planche. Voilà. Les palmes, ça va bien, hein? Regarde, avance ça. C'est pour regarder sous l'eau. Regarde le crabe. Parce que sous l'eau, on peut pas parler. Hein? On a le détendeur dans la bouche. On se fait des signes. Toi, Magou, tu vas te mettre là. Oui, d'accord, viens. Et tu vas voir Tibor. Moi, je suis très beau au badminton. Moi, je vais me mettre ici. Oui, mon bras va dormir. Tu es prêt? Oui. Ha ha ha!
badminton. Non, 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 tu peux pas parce que nous, nous on est déjà deux. Un, deux. Vas-y, Tibor. Es-tu prêt, Bagou? Oui, je suis prêt. Attention. Oui. Mais moi, je pourrais jouer quand même si vous êtes deux. Non, non, parce que nous, nous, on a juste deux raquettes. C'est pour ça. Oui. On pourrait jouer chacun notre tour. Ben... Mais ça sera pas amusant, chacun notre tour. Vas-y, dis-moi. Attention. Mais c'est pas amusant de pas pouvoir jouer. Attends. Mon ami, mon ami, la vie est belle. Je suis en super forme. Je me sens heureuse. Et quand je suis heureuse, ça me donne envie de danser. Et ça me donne envie de jouer de la musique.
coup. Peut-être qu'on pourrait laisser Konga jouer juste un petit coup. Mais c'est parce que c'est amusant de jouer avec toi, Tibor. Oui, mais Konga, elle est toute seule et je pense qu'elle a de la peine. Moi, quand j'ai pas d'amis pour jouer avec moi, j'aime pas ça. Et moi non plus. Mais Konga, elle a pas de raquette. Mais peut-être que moi, je pourrais lui prêter ma raquette des fois. Et toi, Pacou, tu pourrais lui prêter ta raquette des fois. On pourrait jouer chacun notre tour. Et d'accord. On va jouer chacun notre tour. Oui. Bien, Konga. Tu peux jouer avec nous. C'est vrai? Tu me prêtes ta raquette? Oui, oui, on va jouer chacun notre tour. Oui, on va jouer chacun 3 coups et après ça va être à l'autre. Oui, c'est une bonne idée. Prends le volant, c'est toi qui commence. Ah oui, vas-y. Attention, ma grouille est frais. Vas-y. Vas-y, Konga. Est-ce qu'on va jouer au badminton chacun à son tour? Où on va jouer? Le problème, c'est qu'on a juste 2 raquettes, puis on est tranquille. Il faudrait qu'il y en ait 2 qui prennent des raquettes, puis l'ami qui en aura pas, il part pas. Et puis il faut partager les raquettes. Moi, ça me tente pas. On avait dit qu'on partageait, puis maintenant, t'as plus de la raquette à l'orange parce que nous, on a le goût de jouer. Wow, tu vois, tu l'as encore eu. C'est moi. Attention. Et un 7 gagne toujours sur un 6 et un 8 gagne toujours sur un 7.
Le 9 est fort comme un bœuf et mange rapidement le 8. Le 9 est fort comme un bœuf et mange rapidement le 8. Le 10 est plus fort qu'un bœuf et mange rapidement le 9. Le 10 est plus fort qu'un bœuf et mange rapidement le 9. Le valet est très costaud. Le 10 a peur du valet. Il se jette sur le dos ou se cache sous le balai. Le balai est très costaud. Le 10 a peur du valet. Il se jette sur le dos ou se cache sous le balai. La reine est plus forte que le valet. La reine est plus forte que le valet. Et le roi, et le roi, et le roi est encore plus fort que la reine. Car le roi, c'est le roi. Le roi, et le roi, et le roi est encore plus fort que la reine. Car le roi, c'est le roi. Mais le plus fort des plus forts. Merci, maman. Oh, attends. Tu oublies quelque chose? Quoi? Qu'est-ce qu'il oublie? Yann, qu'est-ce que j'oublie? Tu oublies de laver ton fruit. Donne-moi ta pomme. Je vais la passer sous l'eau. Tibor, Kunga, vous voulez une pomme? Oh, oui. S'il vous plaît. Mais pourquoi il faut les laver? Elles sont même pas sales, les pommes. Il faut laver tous les fruits, pas seulement les pommes, tous. Parce que même si ça paraît pas, il peut y avoir des poussières, des petits insectes, du caca d'oiseau. Du caca d'oiseau? Ou des produits chimiques qu'on veut pas mettre dans notre bouche. Tiens. Merci, maman. Voilà. Ah, merci, madame. Merci. Des bonnes pommes sans caca d'oiseau. Les débarbouillets. T'échappes tes gains souvent, hein? Oui. Il y a beaucoup de tabliers, hein? Essaye de tout faire un peu. Avec tes deux mains, mes gars. Cata. Bravo. Hey, tu travailles fort. Est-ce que tu vas me le dire quand le seau va être vide? Qui ferme la porte? Oh, les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il faut mettre après pour que ça soit propre? Du savon. Moi, la maison, moi, je la mets tout seul. Ah, on va porter tous les bacs dans le loco. Oh, 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 oh! Il n'y a plus de thé dans cette maison. Ah non? Non! Mais ce n'est pas un problème, Cornette. Je vais m'en vais au magasin, je vais t'en rapporter. Oh, tu es vraiment gentillette. Oh, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir une sœurette comme toi. Ah, oh, ça me fait plaisir de te faire plaisir, Cornette. À plus tard. À plus tard. Oh, qu'est-ce que je l'aime, ma coquette. La 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 la. Cornette, je suis de retour. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La lettre T? Je me demande bien ce que Coquette fait avec un grand T. Tiens, Cornette, c'est pour toi. Pour moi? Oui, et il y en a d'autres, c'est pas tout. Je vais aller chercher. Un T. Encore un T. Un autre T.
Oh, je me demande bien ce que Coquette fait avec toutes ces lettres T. Pour toi, Cornette, d'autres T. Oh, mais Coquette, tu es bien gentillette. Mais pourquoi dis-tu que ces T sont pour moi? Je n'ai pas besoin de T. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de thé. Mais, Cornette, tout à l'heure, avant que je parte au magasin, tu as dit « Oh, il n'y a pas de thé dans cette maison !» C'est mon imitation qui fait rire. Non, j'ai demandé du thé, pas des thés. Du thé, mais pas des thés. Est-ce que tu comprends, toi? Tu voulais dire du thé pour boire? Oui! Elle est bien bonne! Oh, tu m'as bien fait rire. Tiens, je t'invite au restaurant pour prendre un thé. Oh, quelle bonne idée, Cornette! Transporter tous ces thés m'a donné envie d'un thé! J'ai nagé comme ça! Faites comme moi! Comme ça! Oui! Toi aussi, vas-y doucement! Vous savez, dans l'eau, la lumière est très différente. Elle est un petit peu moins claire. Moi, je vois rien! Moi, je vois plus rien! Les sons aussi ne sont pas pareils. On entend des On entend notre respiration aussi. Tu respires l'air de ta bonbonne, hein, Cornemuse? Oui, mon Tibor. Oui. Et quand on nage, on voit toutes sortes de petits poissons qui passent à côté de nous. Cornemuse, il n'y en a pas de dangereux, hein? Oh non, non, non. Est-ce que vous avez des poissons tigres comme moi, Cornemuse? Dis pas un poisson, toi, Tibor. Tibor, ça existe même pas des tigres poissons? Oui, ça existe des poissons tigres, hein, Cornemuse? Oh, mais bien sûr que ça existe. J'en ai vu un. Et j'ai vu des algues aussi. Oui, j'ai vu des oursins. Et j'ai vu des coquillages. Comme des huîtres. Oui, comme des huîtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Cornemuse? Ça, c'est le signe qui veut dire qu'on veut remonter. C'est le temps de sortir de l'eau. Mais moi, je suis pas fatiguée. Moi, je veux continuer à nager. Moi aussi. Moi, je suis un poisson tigre pas fatigué. Moi aussi, je veux continuer de jouer avec vous. Alors, faites comme vous voulez. Mais moi, je vais arrêter de nager parce que c'est le temps de te dire au revoir. Aujourd'hui, oh, j'espère que tu vas avoir autant de joie et de bonheur que moi j'en ai eu. Et je t'envoie, oh tiens, je t'envoie des beaux baisers de poissons tout colorés. Attrape. Au revoir.